Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une amulettrine. C'est un item de la nouvelle panoplie de Vukin qui est très intéressante en haut, feu, retrait PA. Donc ça ira sur un Xelor PVP. On fait l'amulette, on va essayer de faire un over-écrit sur le puits PA. Voilà, elle est réputée pour être assez dure à FM cette amu. C'est la première fois que je m'y frotte, donc on verra comment ça se passe. On va, évidemment, comme c'est le premier puits, full grid, donc on va aller chercher le full perf. Enfin, le perf Vita, en tout cas, on n'aura pas le perf Sagesse malheureusement, mais le reste c'est ok. On va tout simplement double ravi, moins 10, moins 20. Hop, ensuite on va mettre une petite rune innée et une pod. C'est juste parti. Ok, on a la pod qu'on récupère. On a donc plus 0,1. Je vais rachat, je pense. Ah oh, oui! Moins 7,5, comme ça je récupère à la repair, c'est magnifique. Je vais go, pas ça. Moins 9. Je vais mettre une part époux qui crit. La rune crit qui passe, moins 10. Retrait PA, moins 14. La repair, moins 18. Monter les dommages. Effectivement, on n'a même pas le puits pour faire une première tenta. Ça semble aller dans le sens de ceux qui disent que c'est très chaud à faire. Bon, bah écoutez, on continue, on se démoralise pas. 94 de puits. Le crit de Vita qui commence très très bien. Je vais go ini. Et réécrit en vrai. Oh, je voulais un moins 2, j'ai un moins 1, je me fais bolos. Ça s'appelle lucky, moins 4 du coup. Bon, bah écoutez, on aura tenté. Ça, il m'aurait fallu juste un moins 2 à la place du moins 1, ça aurait pu. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, on part là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va monter. Je vais devoir over chance. Je vais m'occuper tout de suite. Oh, attendez, on va déjà cacher les récris. Je vais faire l'over chance direct, je pense. On va y aller comme ça. Donc là, j'ai moins 8. Aïe. Ça, je récupère. Bah, là, j'ai pris très cher, là. Moins 2. Dommage, la rachat qui troll. Bon, le reste qui crit, mais est-ce que ça suffira? Je suis pas sûr du tout. Bon, là, ça commence à faire pas mal de crit, effectivement. Oui, mais ça me va, hein. Moins 3. On va par époux. Moins 3. Moins 6. 5. Crit. Moins 2. Bon. 40 depuis. Bon, je serais tenté de pavipod, mais on va plutôt se focus sur les récris. Bon, allez, on va se faire le plaisir d'avoir les trucs qui défilent. On va se mettre 40 ici. C'est parti. Faut bien compter les crits. Voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être trop stressé sur le passage en positif, hein. Il y a peu de chances qu'on les atteigne. Alors ça c'est de la merde par contre. Zéro, le compte est bon, c'est marrant ça. Bon, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 94 de puits, bonne congruence Vita. Bonne congruence stats. En vrai je suis très bien là. Je regarde un petit peu ce que je dois remonter. Bon, la sagesse elle bougera plus. Le reste j'ai bien soigné le bas. Je vais go Rainé. Par époux. Moins 16. Je vais mettre moins 3. Moins 12.
Moins 15. Bon, on perd quand même pas mal sur les stats. Moins 5. Moins 24. Moins 16, what the fuck? Ah oui. Bon, on va mettre une rune sagesse. Le PA. Que faire avec ça? C'est un peu bête de trans-réécrit alors que le but c'est justement d'utiliser le fait que ce soit un malus pour faire un gros over-réécrit, vous voyez ce que je veux dire? Je suis un petit peu embêté là. Le problème c'est que je peux pas faire grand chose de ce jet en vrai. Je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce. Est-ce que ça a une valeur à la revente en vrai? Je pense même pas, hein. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Je suis dans l'expectative complète. Après, en vrai, je pourrais genre tranche d'osso et la jouer comme ça. Oh, je crois que je vais faire ça en vrai. Je pense que je vais la transe d'osso, la jouer comme ça, et je referai un over-recrit plus tard en vrai. No joke, hein. Je crois que je vais faire ça. Bon, je prends 2 secondes pour réfléchir et je vous dis ma décision. Oui, bah écoutez, comme je suis là dans l'attente de la réalisation des stuff PVP pour pouvoir reprendre le Coliseum, je vais trans d'osso. Ça me permettra de la jouer. J'aurais aimé, en fait l'idée c'est de profiter du PPA pour faire un gros over réécrit comme ça en malus, mais malgré tout sur mon stuff je serai en réécrit positif, donc c'est pas non plus terrible. Et d'osso, ce sera cool, et ça, en plus à la revente, ce sera tranquille, donc... Voilà, je pense que je peux faire ça, le jouer, et puis s'il a envie de me prendre, de refaire une réécrit, je pense que j'aurais pas perdu de Kama dans l'histoire, donc c'est tout à fait correct comme démarche. Voilà, donc on part sur une petite dosso là-dessus, c'est parti. Voilà, bah écoutez, ça met quand même plutôt bien, on m'avait dit que c'était infâme à faire, même en G-perf ou near-perf avec le PPA, bon, je dirais pas ça. Il y a pas mal de lignes à gérer, mais non, bon, on a 300 vita, 62 stats, c'est pas non plus horrible. C'est très probable qu'on refasse plus tard une session tryhard réécrit, mais là, dans l'immédiat, j'ai besoin de PVP rapidement, donc on va rester là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.